Akumba Diallo, on parle de saisie, donc de 10 kg de cocaïne sur un Brésilien qui était en route pour Conakry, et cela s'est passé à l'aéroport de Paris. Oui, oui, effectivement, le voyageur Lopez Alves Concia Sano, Renal Gabriel, excusez-moi si je prononçais mal le nom, il est de nationalité brésilienne. Il s'est fait acheter un billet à partir de Freetown en Sierra Leone. Donc il s'est embarqué à Sao Paulo, donc je parle du Brésil, pour Conakry en transitant par l'aéroport Charles de Gaulle. D'accord. Très bien habillé en africain, et il y a eu une fouille de bagages à Charles de Gaulle et ils ont retrouvé. Je pourrais vous passer plus tard les images. Ils ont retrouvé des chemises bien emballées dans sa valise et entreposées. Et cela a conduit les inspecteurs à aller plus loin et à s'interroger pourquoi ces chemises sont si nombreuses et si bien emballées dans la valise. Alors, ils ouvrent les chemises. Ils trouvent qu'à l'intérieur de ces chemises-là sont entreposées de la poudre de cocaïne. Wow. Et cette poudre de cocaïne a été évaluée à plus de 10 kg et le monsieur a été arrêté précisément 10 kg 530, donc 10,530 kg d'une valeur de 424 700 euros. Alors le monsieur sera interpellé et l'information sera transmise au réseau international pour dire que un Brésilien a été arrêté à l'aéroport Charles de Gaulle. Il était en partance pour Conakry et qu'il était porteur de 10,530 kg de cocaïne d'une valeur de 424 700 euros. Alors, toute la documentation démontre que le voyage était extrêmement très bien organisé. Dans l'interrogatoire, dans un premier temps, le suspect a annoncé qu'il venait auprès de sa famille en Guinée. Et finalement, le suspect a fini par reconnaître qu'il connaissait personne en Guinée. Wow. Et le suspect refuse de dire qui devait l'accueillir à Conakry. De toutes les façons, le produit prohibé devait venir à Conakry. Et curieusement, les inspecteurs ont constaté que le suspect était habillé en tenue africaine. Tout ça, c'était traditionnel. C'était tout ça, c'était certainement pour tromper la vigilance des services de sécurité. Et la valise était en soute, même pas en truc, en soute. Donc, certainement, le suspect imaginait qu'une fois la valise embarquée en soute à partir du Brésil, il échapperait à un contrôle au niveau de son aéroport de transit. C'était tout à fait une erreur. Voici en quelque sorte les chemises dans lesquelles la drogue a été emballée. Très bien réfléchi, très bien calculé, mais c'était mal connaître aussi l'intelligence des services de sécurité qui l'attendaient là. Généralement, ils changent de méthode, de façon de faire, de dissimuler la drogue. Absolument. Ils se réadaptent. Absolument, ils se réadaptent. Mais ce qui a conduit à avoir quand même quelques interrogations sur sa trajectoire, vous savez, les inspecteurs sont bien formés pour cela. C'est pourquoi d'abord son billet a été acheté en espèces à partir de Freetown. Pourquoi quelqu'un qui quitte le Brésil achèterait son billet à Freetown et en espèces? Parce que vous savez, quand vous achetez le billet en espèces, votre identité, vous l'acheteur, ne reste pas là. Alors, ceci a conduit au service de prêter attention sur ce voyageur. Donc, une fois à Paris, il a été réinspecté de nouveau et puis ils ont trouvé qu'il était porteur de cette cocaïne en direction de la Guinée. Les investigations continuent pour savoir qui devait le recevoir en Guinée et pourquoi du Brésil, c'est en Guinée, il veut aller avec cette marchandise prohibée-là. Et une fois encore, disons à nos compatriotes que maintenant, même à Dakar, au Sénégal ici, quand vous êtes en transit, vos bagages sont enregistrés en soute
Dakar reprend totalement le contrôle. La fois dernière, quand je quittais New York, je suis passé par Dakar. Dakar a repris totalement le contrôle et il y avait même des compatriotes guinéens qui étaient souvent appelés au micro pour dire qu'ils n'ont qu'à venir, qu'il y a une inspection concernant leur bagage. Bien. Donc voilà que ce monsieur se dirigeait vers la Guinée, mais pour l'instant, il est stoppé en France. Comme pour dire que Conakry continue à rester une sorte de pôle d'attraction pour la cocaïne, Yara Girati. Ça vient par tous les circuits, en fin de compte. Oui, bien sûr. Nous avons d'ailleurs remarqué que ces derniers temps, il y a pas mal de quantités de cocaïne saisies même à l'aéroport. Vous vous souviendrez que Ivoirienne... Aussi, oui, bien sûr, c'est partout à la frontière. Les frontières terrestres. Je pense qu'il faut, il faut quand même être très vigilant parce que... C'est pas quand même évident que cela ne passe pas par la Guinée. Si on ne redouble pas la vigilance, ça pourrait quand même transiter. Il faut quand même saluer cette coordination parce que nous voyons une sorte de coordination dans les aéroports. Bien. Et les informations sont relayées en temps normal. Et je pense que la Guinée doit quand même renforcer le dispositif pour pouvoir stopper la rentrée sur notre territoire. Vous savez que la drogue fait beaucoup de victimes dans beaucoup notre de ravages. Pays. Beaucoup de ravages. Ouais. Les jeunes s'adonnent à volonté et à soin. Je pense que vous avez vu tout dernièrement les conséquences de la drogue couche sur la jeunesse guinéenne. Il faut quand même que les autorités se bougent de ce côté pour pouvoir limiter toutes les conséquences. Oui, Akumba, en même temps, il a parlé de dispositif. Est-ce que, point de vue dispositif législatif, est-ce qu'il ne faut pas, je veux dire, en Guinée, qu'il soit plus rigoureux? Parce que dans d'autres pays, on peut dire qu'ils ne sont pas des pays de démocratie ou de droits de l'homme. Quand on vous prend avec une petite quantité de drogue, quelle qu'en soit la nature, ben, certains sont exécutés, certains sont condamnés même à mort. On en voit tous les jours, en fait. Donc, est-ce qu'il faut renforcer ce dispositif législatif? Parce que ça devient assez banal pour les gens de transporter de la drogue, notamment de la cocaïne, vers Conakry, soit pour transiter, soit pour les déverser ici. Par principe, je suis opposé à la peine capitale, mais je souhaite que la législation guinéenne soit plus rigoureuse et que les ressources humaines guinéennes chargées de ce secteur soient beaucoup plus équipées et beaucoup plus conscientes de leur mission. Mamadou Wouri, ne serait-ce que l'obtention de son visa pour entrer en Guinée pourrait nous aider à savoir quels sont ses complices. Ouais. Vous savez, depuis un certain temps, le visa d'entrée en Guinée est devenu électronique. Oui. Et je pense que quelqu'un ne peut pas acheter un visa électronique sans pour autant laisser quelques traces. Parce que voici son visa, c'est un visa de touriste qu'il a. Il a fait une application dont le numéro est là, visible. Il a fait cette application. Il devait présenter ce visa avant le 12-07 mois 2023. Bien. Je pense qu'il est facile de le repérer à partir de son passeport et de savoir quels sont ses complices en Guinée. Mais ce qui est réel, c'est que la Guinée est devenue une destination privilégiée des narcotrafiquants. Ça, c'est une évidence.